de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a visité le salon du Bourget il y a quelques heures. Ça a été l'occasion pour lui d'échanger sur le succès du Rafale à l'export avec le président directeur général de Dassault Aviation, Éric Trappier. Depuis que Jean-Yves Le Drian a pris ses fonctions en tant que ministre de la Défense, il s'est beaucoup employé à promouvoir le Rafale. Le succès est d'ailleurs au rendez-vous cette année, avec la signature des contrats le 16 février au Caire pour la vente de 24 Rafales et la signature le 4 mai à Doha au Qatar, avec la vente de 24 avions, plus 12 en option. Après, on